mettons, un petit esquisse de comment manipuler Painter et ses brosses. Tout ceci en l'espace de 5 minutes, rapide. On espère que vous allez aimer ça. Je suis en train de choisir des brosses. J'ai choisi une craie avec une épaisseur quelconque pour faire des essais. Maintenant, je suis en train d'ajuster la grandeur pour être capable de travailler sur les pétales. L'épaisseur, comment mon pinceau va être épais de peinture en vérité, numériquement parlant. Je choisis le calque 1 et je commence à brosser les pétales. Je le graphine avec un papier à votre gauche en bas. Artist Canva. En rapprochant, ça va beaucoup mieux. Et je graphine. Tout ceci pour créer de la profondeur un petit peu plus tard. Il faut comprendre que Painter, je suis en mode clone. Mode clone, c'est je regarde ce qui se passe en avant et je mets une feuille transparente comme vous faites d'habitude vous quand vous voulez calquer. Le clone, c'est ça. Je travaille en calque par-dessus mes fleurs. Je regarde à l'arrière ce que ça donne. Et j'y vais de plein bras, à plein fouet le pinceau. Oups, encore trop gros. Et on recommence. Vous voyez déjà les effets, même au travers. Le clone, c'est ce que ça fait. Ils appellent ça en français la réplique. Painter, c'est un logiciel spécial que nous vous procurons à tous ceux qui ont un talent de dessin moindrement et qui sont intéressés surtout. C'est un petit peu aussi les calques, toujours les calques comme Photoshop, ça ne change pas. Très beau logiciel, courbe d'apprentissage quand même exigeante, moyenne, du moins pour moi. Hop, un zoom. Je choisis d'autres brosses. C'est pas évident. Faut y penser à l'avance. Bientôt, ça va débouler. Inquiétez-vous pas. Maintenant, j'ai choisi un autre type de peinture. Plus lisse. Je travaille à lisser les pétales pour créer de la profondeur. Les faire ressortir en quelque sorte. Un peu plus tard, vous verrez bien. Et voilà, vous voyez sur les tiges, tout devient doux, doux, doux. Très lisse. Hop! On passe en max vitesse. Quelques ajustements. Hop, 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 hop. Et voilà. Plus de profondeur. On ajuste les éclairages, le contraste. Et voilà, c'est fini. Rapidos, merci beaucoup.